aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma chambre, donc là où je fais toutes mes vidéos à l'intérieur. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, nous allons regarder, enfin, je vais regarder Vomiling, l'épisode 8, il me semble. Donc, comme le dernier épisode, deux vidéos par mail que vous m'avez envoyé sur ma mail qui s'affiche à l'écran et que vous avez en description pour m'envoyer Vomiling. Et deux vidéos que j'ai prises d'Instagram, donc un gars que je connais, d'autres personnes que... mon Instagram, il est en description pour que tu m'envoies aussi... Enfin, que tu mets tes Vomiling et tu me les envoies en message privé pour que je puisse regarder ça. Bref, en tout cas, j'espère déjà que vous allez tous très très bien. 50K sur la chaîne YouTube, bon, pour les nouveaux, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveaux. Bienvenue sur la chaîne. Je regarde Vomiling, donc j'interagis avec mes abonnés, mais d'habitude, je fais des vidéos en plein air et tout. C'est stylé, abonne-toi. Bref, la mif, aujourd'hui, on va commencer très très simple. J'ai fait un petit dossier là, hop, on va regarder. Il y a le premier mail. Donc, alors, bonjour DRZ, je m'appelle Zachary, je fais du Vomiling depuis 1 an et 8 mois. Tu vois là, tu vois que c'est précis. Hein. Je sais faire des acrobaties sur le vélo, j'aime ta chaîne YouTube, continue comme ça, t'es le meilleur. Merci beaucoup déjà pour la force. Moi, pour mes vidéos, j'ai une chaîne Instagram VomilingBZ. Vomiling-BZ, donc celui qui va aller voir sur Instagram, voilà. J'espère que mes vidéos vont passer sur ta chaîne YouTube, Inch'Allah. Force à toi. Force à ta chaîne plutôt. Donc merci beaucoup. Mon Instagram, donc tu passes dessus. Hein, et mon Instagram, VomilingBZ, donc si vous voulez aller voir comme j'ai dit. Dans une vidéo, je suis assis sur le devant du vélo. Et l'autre vidéo, je suis dans une descente. Debout sur le vélo, je fais du Vomiling après en remontée. Et bah moi j'ai reçu une vidéo. Merci DRZ, bonne journée. Bonne soirée plutôt, mais. Vu que ça, il a dû l'envoyer la journée, donc bonne journée à toi aussi si tu vois la vidéo. Et on va regarder tout de suite ta vidéo. Ah oui. Bref, la famille, donc voilà la famille, la vidéo, vous venez de la voir. Donc déjà, il y a plusieurs choses à dire. Le truc en descente, là, il y a beaucoup de personnes qui le font en ce moment. Et enfin, le truc pour se mettre au-dessus du vélo, moi, c'est pas trop mon délire. Hein. Vous m'avez jamais vu le faire, je pense que vous ne verrez jamais le faire. C'est parce que j'ai jamais essayé, sans vous mentir. Hein, je me suis jamais mis dedans. Peut-être que pour le moment, j'arrive pas, hein, j'arrive pas à faire ça. C'est pas le genre de truc que je fais. Mais en descente, ça doit faire peur et c'est grave stylé. Franchement, c'est grave stylé, ça doit faire peur et ça doit être super dangereux. Donc fais attention à toi, mais c'est super stylé, rien à dire. Pour le Vomiling en montée, tu gères. J'ai pas de conseils à te donner hein, sur ce point. Ça pète, donc continue comme ça. Juste fais attention dans la descente parce que faire ça sur une descente, je pense que ça peut être très dangereux. Mais on voit que tu gères, on voit que tu t'es saigné et que t'as tapé 2-3 chutes juste avant ça. Mais c'est stylé, donc continue comme ça, mon pote. Y'a rien à dire. On poursuit tout de suite avec le deuxième Vomiling par mail que j'ai reçu. Donc c'est Jaromil. Salut, je t'envoie un de mes Vomiling, donc c'est un manual. Je sais pas si ça compte, mais j'essaye quand même. Bonne continuation, frérot, tu gères. Alors je regarde vos Vomiling. Un manuel ça compte, tu vois, pour moi ça fait partie du truc. Après voilà, je suis tolérant, moi j'ai élargi le truc. Donc tu m'envoies ça, il n'y a aucun souci mon pote, donc on va regarder ton truc. Donc on va regarder ça. C'est celle-ci. Bon, déjà là aussi ça va pas mal vite. C'est un dirt en plus. Ah c'est stylé. Il n'y a rien à dire, hein. Là, il est en dirt, il gère ça, donc il est en manuel, donc il pédale pas. Il gère tout avec le corps, ça, on voit que c'est propre dans la descente avec le tournant, il n'y a rien à dire. Là j'ai vraiment pas de conseils à te donner, surtout en manuel, il n'y a rien à dire, plus que bien. Faut que tu continues comme ça, après essaye de aussi, c'est très bien ce que tu fais, après je sais pas trop si tu fais que ça. Mais essaye aussi de jouer avec le frein si tu arrives à pédaler, enfin faire des descentes en pédalant. Si par exemple juste t'arrives à faire le manuel, bah essaie de t'entraîner à faire des descentes en pédalant. Ça pourra te faire des petits challenges entre toi-même et puis ça t'aidera à bien progresser par la suite, etc. Mais c'est très stylé et beaucoup de personnes pensent que parce que c'est vrai que le manuel ça se rapproche plus pas du DH mais voilà de l'enduro, etc. Les gens qui viennent dans les bois et tout, ils font beaucoup de manuels, etc. Mais nous aussi ça fait partie, il y en a plein de moi qui font du vélo avec moi qui font que ça pratiquement. Et voilà, pourquoi pas, chacun son domaine, chacun son style. Moi pour ma part c'est les tricks que je préfère le plus. J'aime bien suivre, etc. Nanani, c'est des trucs que je fais aussi. Voilà, j'essaye de faire un peu tout.
pour varier, pour pas m'ennuyer, pour pas me lasser. Et si toi t'arrives à te plaire dans ça, bah continue comme ça. Moi je t'incite qu'à continuer. Et franchement c'est grave stylé, donc continuez comme ça. Moi je kiffe quand vous m'envoyez des choses différentes. Après, aussi, pourquoi pas faire des vidéos dans un autre domaine. Je regarde vos vidéos tout simplement en DH, etc. Donc pourquoi pas, pour le moment je reçois que des vidéos en willing. Donc en même temps c'est le titre de la truc, je regarde vos willing. Bref, voilà, c'est stylé, continue comme ça. J'attends tes nouvelles si tu veux me renvoyer des vidéos. Là on continue, bon c'est le dernier willing, c'est le troisième. Là je pense que c'est le plus court que j'ai fait. Mais bon, après sinon je voulais pas faire une vidéo assez longue, enfin trop longue, ni trop courte. Donc là c'est très simple, je vais vous expliquer. La vidéo elle est assez longue, c'est une vidéo qui a été mise aujourd'hui. On est le 24 mars. C'est un poteau de Paris qui s'appelle Corentin. Donc je sais pas, je l'ai pas mis dans la dernière vidéo, j'avais mis deux mecs de Paris aussi. Il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi t'as mis des mecs de Paris sur Instagram, je sais pas. Je voulais finir l'épisode là en mettant lui parce que moi je trouve que c'est quelqu'un qui progresse hyper vite. Il rend des trucs hyper vite et tout, c'est grave stylé, c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité. Et franchement je kiffe trop rouler avec lui. Là il en ce moment il progresse pas mal, il a acheté un OM Duro et il a mis des pecs dessus. Donc c'est pas un travail en frame comme moi je le fais, mais lui c'est un travail en pecs et j'aime bien ce qu'il fait. Donc hormis tout le skill, etc., juste au niveau du killing, comme on dit, comme ils disent à Paris et à Londres, etc., enfin, en anglais, c'est vraiment posé zen, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise. On va voir aussi qu'il se met debout lui aussi sur le vélo, et c'est vraiment, voilà, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui gèrent ça vraiment pas mal, et la vidéo, je pensais que c'était important de la mettre, donc on va regarder tout de suite sa vidéo. C'est une vidéo qui est assez longue, elle dure à peu près, je crois, 40 secondes, donc on va regarder ça, et c'est parti. La famille, vous avez la vidéo en même temps que moi. Déjà les sueurs là au début, très propre, y'a rien à dire. Moi j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que ça pète ce qu'il fait. Et moi je vois pas trop d'imperfection dans ça, donc ça pète, j'ai pas de conseils de façon à lui donner. Bon bref, la famille, vous avez vu la vidéo en même temps que moi. Très 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 propre, hein, comme je vous l'ai dit, c'est super chill, super propre, y'a rien à dire. Moi je l'incite qu'à continuer dans les vidéos comme ça. Et en plus, si vous voulez aller voir son compte, c'est Coco Bikes, un truc comme ça, Coco-BIKZ. Il met des vidéos et l'avant-dernière vidéo, j'ai pris celle-ci parce que c'était la dernière. Et l'avant-dernière vidéo, il avait fait un travail en frame avec un VTT aussi, avec un pegs, avec les pegs. Et ça, c'est pour bien montrer qu'il a pas perdu de travail en frame ni en pegs. Et c'est vraiment stylé. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez aller suivre sur Instagram, allez-y. Comme tous les autres, hein, que j'ai présenté, donc ceux qui ont mis leur chaîne, etc., n'hésitez pas aussi à les suivre, à les follow si vous kiffez ce qu'ils font. Donc, moi, pour ma part, là, l'épisode-là, c'est l'un des que je préfère à tourner parce que c'est des personnes que je trouve qui ont leur domaine à eux, qui suivent leur truc bien pas en écoutant les gens, voilà, en faisant leur truc stylé sans dévier à droite à gauche. Surtout que maintenant la bike life elle a bien augmenté en vélo en France et qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le groupe, si lui fait ci, lui fait ça. Donc moi j'aime bien les gens qui se démarquent comme moi j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne. Moi j'aime pas trop me mélanger et voilà, donc c'est super stylé de voir des vidéos comme ça. Si vous aussi vous pensez la même chose, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, c'est super important. Sinon, nous, on se donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je pense que là, je vais peut-être reprendre deux vidéos par semaine, je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez plus de vidéos. Là, je suis à une semaine, tous les mardis, je sors une vidéo. Et, je sais pas, j'hésite à faire deux par semaine. Là, je vais vous tourner, et la prochaine vidéo que je vais vous tourner, normalement, je vais essayer de vous faire un truc stylé qui change du d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et mettre la cloche, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les notifications du fait que voilà, ils ne voient pas les vidéos qui sont sorties, etc. Donc mettez la cloche, c'est super important. Donc vous avez juste à activer la cloche à côté du bouton abonner, ça prend 2 secondes et au moins vous êtes notifié dès que je sors une vidéo, et ça je pense que c'est super important. Bon voilà la famille, sur ce on se dit à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de projets qui arrivent et restez branchés, c'est super important. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snap, Instagram et Twitter. Surtout Twitter en ce moment là, j'essaie de lâcher des petits tweets, donc c'est dans la description. À la prochaine, c'était DRZ, ciao.
les soirées. C'est la rap dans nos soirées. Bouteille comme dans une boîte, on est full après. Bim, on veut plus de soirées. Trop à l'aise, moi il faut des soirées.